Là, on connaît un vrai. On ne passait pas dessus. Il faut essayer de rajouter un seul couteau. Un seul même repère. Parce que cette feuille-là, après, quand vous dressez, là, il y en a l'envers et le bon côté de l'étincelle. Pliez bien la plein. Quand il s'assied, là, c'est bon pour rajouter. Et quel côté il faut rajouter? Il faut rajouter ici ou ici? À droite ou à gauche, c'est pas grave le truc. Il n'y a pas un. Mais dessus? Quand les machines. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Tu peux mettre ça ouvert quoi en fait? Il faut prix de paille avant. Le bout. Oui, là c'est bon. Moi j'aime bien parfois. Le bout là, avec toujours la petite tête. Oui, parce que c'est ça, vous le coupez. Hein? Oui, il brille. Oui, il brille. Et vous faites là, aussi avec boule bleue, c'est ça? Oui, ben nous on n'a pas de boule bleue. Ah, oui. On n'a pas, on n'a pas de vis. C'est quoi le boule bleue? Les boules bleues, il faut râper. Oui, il brille. Il y a là, ce que j'appelle la tête, il y a l'épaule et le corps de la pupille. Donc la tête, c'est un cylindre, tout simplement. L'épaule, c'est une serre, là, vous regardez bien, il y a une serre qui passe. Et puis on ne voit pas la suite, non, qui passe dans le corps. Et puis il y a un cône, voilà, c'est un morceau de cône qui est en bas ici. Et puis je vais rajouter une pointe. Alors ce morceau de bois, je vais à peu près regarder le milieu. Hein, donc je vais à peu près voir le milieu. Diamètre, vous voyez, non, c'est le diamètre que j'ai. Et voilà. Utiliser le toit en bois pour redonner un petit peu, enfin, faire en sorte que ceux qui sont en marge des mathématiques, tout ça, reprennent confiance et se remettent dans le bain. Et donc, on aura des stages gratuits de tournage, si vous êtes intéressés. Et donc, le but du jeu dont je vous parlais tout à l'heure, donc, c'était de détruire la tupido, mais on lance comme ça. Donc là, je lance comme ça parce que... Voilà. C'est pas continuer à tourner. Ça fait pas mal.